sommes dans ta présence. Nous prions que ta sœur te prenne le contrôle et que tu nous conduises conformément à ta parole et à ta volonté. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Alléluia. 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 C'est aujourd'hui que nous commençons notre marathon de prière avec comme thème aller à la montagne, expérimenter le règne de Dieu sur ta vie. Vous savez, lorsque Dieu règne, personne d'autre ne peut régner. Tango nzambe azako dondwa na bomoyi na yo. Eza na mutu moko te akoki lususu ko dondwa na bomoyi na yo. Verset na biso o ezali ya mama na likambo na biso eza na Isaïe 52 verset 1 à 7. Ça c'est le verset clé, le terme principal. Nous avons dit que Tobanda Kiango depuis dimanche passé, sous thème d'Alcieuse Aki, Jésus-Christ, notre délivrance. Amen. Et aujourd'hui, nous allons parler sur la nouvelle naissance. Amen. Parce que pour que Dieu règne dans ta vie, il faudra que tu sois né de nouveau. Si tu n'es pas né de nouveau, jamais. Et alors jamais le Seigneur peut régner dans ta vie. Ésaïe 52, verset 1 à 7, nous lisons, nous dit ceci. Réveille-toi, réveille-toi, Sion, pars-toi de ta force. Mets tes habits de fête, Jérusalem, aux villes saintes, car désormais, ni l'incirconcis, ni l'impire n'entreront plus chez toi. Secoue donc ta poussière, relève-toi, Jérusalem, installe-toi. Délivre-toi de chaînes qui enserrent ton cou, toi qui es prisonnier aux filles de Sion, car voici ce que l'Éternel déclare. Puisqu'on vous a vendu pour rien, ce sera sans argent qu'on vous libérera. Car voici ce que déclare le Seigneur. L'Éternel, mon peuple est descendu tout d'abord en Égypte, afin d'y séjourner. Ensuite, la Syrie l'a opprimé sans cause. Mais à présent ici, qu'est-ce que j'ai à faire? Demande l'Éternel. Puisque mon peuple a été pris pour rien, ses oppresseurs se vantent, déclare l'Éternel, et à longueur de jour, mon nom est outragé. C'est pourquoi mon peuple va savoir qui je suis. Oui, il saura en ce jour-là que c'est moi qui ai dit « Je viens ». Comme il est beau de voir sur les montagnes le pas du messager d'une bonne nouvelle qui annonce la paix, qui parle de bonheur, qui annonce le salut, qui dit à Sion, ton Dieu règne. Je voudrais dire à une personne ce soir que ton Dieu règne. Oui, tu peux dire à ton voisin, dis-lui, mon Dieu règne dans ma vie. Et lorsque Dieu règne, personne d'autre ne peut régner. La Bible dit dans Ésaïe 25, verset 23, « La lune sera couverte de honte et le soleil de confusion, car l'Éternel des armées régnera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, resplendissant de gloire en présence de ses anciens. » Alléluia. Oui, chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes réunis ce soir dans la présence de Dieu
Et nous voulons que Dieu puisse régner, régner dans nos vies. Et le Seigneur dit ceci, pendant un long moment, vous avez été dominé, assujetti, maltraité. Mais à cause de son nom, il se relève. Et tu ne connaîtras plus jamais, et alors jamais, la domination. Amen. Nous avons dit que notre sous-thème aujourd'hui, nous parlons de la nouvelle naissance. Nous parlons de la restauration. Dieu veut nous restaurer. Et la restauration de Dieu, c'est dans tous les domaines de notre vie. Jacques chapitre 1, verset 16 à 18 nous dit ceci. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père de lumière, sur lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Amen. Ici, je retiens des choses dans ce verset que nous venons de lire. Je dirais même trois. Nous avons la grâce, nous avons les dons et les prémices. Amen. Lorsque nous parlons de la grâce, cela nous renvoie à l'action de pouvoir donner. Qui donne? Ce n'est pas toi qui donne, ce n'est pas moi qui donne, mais c'est Dieu qui donne. Et il donne gratuitement. Il nous rachète gratuitement. Il a dit qu'il n'y aura pas un prix qui va être payé pour que toi tu sois racheté aujourd'hui. Parce que ces prix-là, Christ l'avait déjà payé sur la croix. Amen. Et lorsqu'on parle de dons, là nous voyons ce qui est offert. Un don, on ne demande pas. Tu es là, tu ne sais rien. Tu vois quelqu'un qui vient, il te donne un don. Aujourd'hui, Dieu se tient à ta croisée de chemin. Amen. Et lui seul veut changer ta vie. Il veut faire de toi une nouvelle créature. C'est pourquoi il parle de prémices. Dieu veut que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Alléluia. Lorsqu'on parle de prémices, on voit le premier. Vous savez, chers frères et sœurs dans le Seigneur, certainement parmi nous, beaucoup, nous avons déjà eu à donner notre vie au Seigneur. Nous avons marché. Mais peut-être quelque part, Dieu a vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et il se met debout, il dit non, je veux renouveler mon alliance avec mon enfant. Je veux que mon fils soit régénéré. Vous savez, c'est comme ce que nous vous appelons très souvent à Lingala. Comment on appelle ça? Le papillon en Lingala, c'est quoi?
Le PKPK, ce n'est pas le papillon, le PKPK. Amen. Lorsqu'il change de forme et devient une chenille, ne revient plus jamais papillon. Amen. Et c'est ce que Dieu veut faire de toi aujourd'hui. Amen. Zambé. C'est ce que Dieu veut faire de toi. Oui, c'est vrai. Nous avons mené nos vies telles que nous l'avons menée. Nous avons vu ce que nous avons vu. Mais Dieu déclare dans Malachie chapitre 3, versets 5 et 6, ceci. Je m'approcherai de vous pour le jugement et je me hâterai de témoigner contre les acheteurs, les adultères, contre ceux qui jurent faussement, contre ceux qui retiennent le salaire du mercenaire, qui oppriment la veuve et l'orphelin, qui font tort à l'étranger et ne me craignent pas, dit l'Éternel des armées. Car je suis l'Éternel, je ne change pas. Et vous, enfants de Jacob, vous n'avez pas été consumés. Oui, certainement, certaines personnes ont déjà dit que voilà, vous êtes finis, terminés, condamnés à la souffrance, condamnés à l'échec. Mais Dieu dit que vous n'avez jamais été consumé. C'est-à-dire, il se met debout pour mettre fin, pour juger tous ceux-là qui pensent que yo aussi là. Amen. Je voudrais que cette parole, que tu la vives, que tu la prennes comme étant une parole de Dieu. Amen. Considère que c'est Dieu qui parle. Peut-être tu viens chaque dimanche ici, tu viens vendredi, mais je voudrais qu'aujourd'hui tu ne sois pas ce que tu as toujours été, mais que tu sois une autre personne. Voilà pourquoi nous devons être nés de nouveau et régénérés en renouvelant notre alliance avec Dieu en Jésus-Christ. Amen. Vous savez, je crois que nous connaissons bien cette histoire de Jésus avec Nicodème. Ah, peut-être tu es là, tu te dis, mais on ne comprend pas le pasteur. Nous allons à la montagne pour expérimenter le Dieu. Mais comment il nous parle de la nouvelle naissance? Non. Ne peut aller à la montagne que celui qui est né de nouveau. Ne peut aller à la montagne que celui qui est régénéré. Ne peut aller à la montagne que celui qui a renouvelé son alliance. Voilà pourquoi je suis en train de te remettre en cause, pour que tu te regardes encore et que tu prennes encore un élan pour monter. Amen. Vous savez, vous pouvez monter, vous arrivez à un certain niveau, vous êtes essoufflé. Et quand vous êtes en train de vous en train de vous en train voiture, vous êtes en train de vous en train de vous en train de vous en ou comme à ce niveau, mon corps est paf et calé et sont ici aussi. Alléluia. Voilà, pour bien monter, il faut que tu sois régénéré. C'est comme ça que Jésus-Christ, un jour, il dit dans Jean chapitre 3, verset 3,
assiette, c'était une conversation de Jésus-Christ avec Nicodème. La Bible dit ceci, Jésus lui répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Jésus répondit, « en vérité, je te le dis, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'aie dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Amen. Vous savez, Jean-Baptiste avec le Seigneur, et il y avait la foule qui venait pour être baptisée. Jésus dit, moi je vous baptise de baptême de la repentance, mais celui qui vient va vous baptiser de l'Esprit et de feu. Amen. Nous sommes appelés à naître de nouveau, à renouveler notre relation avec Dieu. Mener une vie conforme à la parole de Dieu. Faire des choses telles que Dieu veut que nous puissions faire. Sans la nouvelle naissance, sans la régénération, tu ne peux jamais expérimenter le règne de Dieu. Voilà pourquoi ce soir, je voudrais que chacun de nous puisse rentrer au-dedans de lui. Essaie de reconsidérer ses voies. Les œuvres de l'esprit ne peuvent se manifester qu'à celui qui est né en esprit. Amen. La chair ne peut pas participer aux choses de l'esprit. Or, pour que cela puisse être possible, il faut naître en esprit et avoir l'ADN de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. La Bible dit que le premier homme est venu de la terre, mais le second est venu du ciel. Et nous, pendant ces 10 jours, nous voulons vivre dans le royaume. Amen. Nous voulons expérimenter les œuvres du royaume dans notre vie. Cette parole du Christ à Nicodème nous donne de l'espérance de la gloire de Dieu. Pour vivre cette gloire, il faut que tu sois né en esprit. Cette parole de Jésus-Christ à Nicodème, qui s'adresse ce soir à toi aussi et à moi, nous rassure. Que nous pouvons demeurer sur la parole de Dieu. Amen. Comme je l'ai dit,
Notre plus grand problème, c'est notre régénération et notre transformation spirituelle. Vous savez, beaucoup de personnes se disent nés de nouveau. Or, en réalité, si nous regardons les conditions pour lesquelles cette personne est venue au Seigneur, nous remarquons que la personne n'est pas encore née de nouveau. Voilà pourquoi nous avons des problèmes. Voilà pourquoi le diable nous domine. Amen. Parce que une personne régénérée où le Seigneur habite en lui, comme le dit la parole de Dieu, que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Jamais, et alors jamais il ne peut être dominé. Parce que lorsque nous rentrons dans Genèse, nous voyons la création. Dieu nous a placés sur la terre pour dominer et non pour être dominé. Amen. Parce que la Bible dit, Dieu, il bénit l'homme et il lui donne le pouvoir d'assujettir, de dominer la terre. Quand bien même l'ennemi, comme le dit la Bible, a été précipité sur la terre, malheur à ceux qui n'ont pas Jésus-Christ. Mais pour nous qui avons Christ, sa descente sur la terre n'a aucun impact dans nos vies. Voilà pourquoi nous devons à tout prix chercher à mener une vie nouvelle avec Jésus. Car lorsque nous sommes nés de nouveau, nous sommes réellement de nouvelles créatures. Et j'ai parlé des prémices dans notre texte, dans chaque chapitre premier. Et lorsque nous sommes des prémices de la nouvelle création de Dieu, ça veut dire que nous devons déjà expérimenter la gloire à venir ici et maintenant sur la terre. Amen. Vous savez, Christ, il dit, je viendrai. Je m'en vais vous préparer une place. Je viendrai vous chercher. Mais il va faire une promesse. Il dit que je m'en vais, mais d'abord le Saint-Esprit viendra. Vous croyez que le Saint-Esprit va venir pour faire quoi? Le Saint-Esprit vient pour que la volonté de Dieu soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Et nous, lorsque nous sommes nés de nouveau, nous devons expérimenter la gloire de Dieu sur la terre. Nous devons vivre les choses à venir sur la terre. Amen. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous, lorsqu'ils sont venus au Seigneur, ils ont fait le contraire. Ils sont directement venus chercher ce qui est sur la terre. Or, lorsque tu viens pour chercher ce qui est terrestre, Dieu n'est pas là. Amen. Parce que le principe de Dieu sont réels. La Bible dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Je voudrais te rassurer d'une chose. Que ton passé en réalité n'a plus de raison de vie dans ta vie. Permettez-moi cette tautologie-là.
quelqu'un qui est régénéré, né de nouveau, makambo nyonso et komi ya sika. Je dis bien tout. Tout ce qui n'allait pas dans ta vie, lorsque tu es né de nouveau, yangope botami ya sika. Amen. Oui. Vous savez, ce que je suis, Madesu, Okona, l'air que Tchango et Kopola, l'air que Bima, et Bima l'idée sur mon côté, et que Bimi Samadesu est belé. Amen. Vous savez, dans ces 10 jours, le Seigneur m'a montré une chose. Si nous prenons ça avec beaucoup d'attention, nous allons expérimenter et vivre ça. Le Seigneur m'a montré qu'il fallait tout bande la bilanga. Amen. Je vis dans le songe un champ où on avait tout enlevé. Il restait quelques herbes, c'était de la pelouse. Et mon épouse et moi, elle me dit, mais Manassé, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai dit non. Il faut que tu aies fumier. Tu bandes la lissue subie en bas. Oh, et tu as fumé, tourné ma marijuana. Quelques temps après, tu es comme Tala. Tala dengue pelouse et boti. Tala dengue ma fleur et boti. Tala ma fouille, ma fleur, y a bien qui tombe. C'était vraiment comme dans un jardin, comme je l'ai dit, jardin dedans. Alléluia. Mais d'un côté, je vois, insecte, ma fourmi, bazoya, pona, bazoa, ezaki lokola ba mayebo, ezobota. Elle me dit, pasteur, regarde. Je dis, non, t'en fais pas. Et je pris de l'insecticide. Qu'est-ce que j'ai compris dans ce message? J'ai compris que Dieu veut que nous puissions mettre de fumier. Et fumier, là, c'est la parole de Dieu. Amen. Parce que c'est la parole qui nous renouvelle. Parce que c'est la parole qui nous donne la foi. Comme il est dit, la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Je me dis, à l'issue de ces 10 jours de prière, nous ne sortirons pas tels que nous étions venus. Parce que Dieu ne trompe jamais. Je crois, je vous dis toujours que je ne suis pas prophète. Et là, le Seigneur m'a montré ça clairement. Et c'était hier, la journée, que le Seigneur me donnait l'explication de cette vision. Oui, nous devons être régénérés. Nous devons être nés de nouveau. Amen. Nous sommes nés de nouveau en Jésus-Christ. Car la Bible dit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, il n'y a pas un autre nom qui nous a été donné, si ce n'est que le nom de Jésus. C'est par Jésus-Christ que nous sommes nés de nouveau. Tel que tu es là, commence à rentrer au-dedans de toi. Beaucoup de gens, peut-être, ils ont honte. Parce que pendant longtemps j'ai servi, pendant longtemps j'étais ceci, pendant longtemps. Si je reviens encore, on va dire, mais Christ dit, celui qui aura honte de moi, moi j'aurai honte de lui devant le Père. Dieu ne trompe jamais. Pourquoi Dieu nous a poussés à pouvoir donner encore cette parole de la nouvelle naissance?
parce que il a vu et il veut que nous soyons réellement nés de nouveau. En cela, je voudrais te dire, chers frères et sœurs, ce soir, de ne plus penser aux événements passés. Ce que tu as été, ne pense plus à ça. Et ne considère plus jamais ce qui est ancien. Mais regarde tout devant toi comme Biloko Yasika, Makambu Yasika. Il dit dans Ésaïe 43, « Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Le bête des champs me glorifieront, les chacals et les autruches, parce que j'aurai mis des eaux dans le désert, des fleuves dans la solitude pour abreuver mon peuple, mon élu. » Alléluia. Oui. Zambalobi. La carte, il y a des désert. Oui, certainement, les gens pensent que Yoda déjà à Kokaouka. Mais Zambalobi, na désert, à Kofongolandi, la paix maille et Koukoule. Amen. Dans la montagne de l'Éternel. Bah, ce qui est important, c'est quoi? Il faudra d'abord nous arrivons à nous débarrasser de notre vieil homme. Vous savez, Abraham, Dieu l'appelle. Il lui fait une promesse. L'alliance. Mais pour que Dieu se prononce sur la bénédiction d'Abraham, il l'a d'abord entendu à ce que Abraham se sépare. Amen. Mais toi, tu dois te séparer de quoi ce soir? Il fallait Abraham à se séparer. Il s'est séparé de son père. Il s'est séparé de son neveu. Il s'est séparé. Lorsqu'il est resté seul, Dieu va déclarer maintenant sur Abraham. Et la Bible dit sur la vie d'Abraham, à un moment donné, Dieu va mettre Abraham à l'épreuve. Il va lui demander son fils. Abraham prend son fils. Il prend les travailleurs, machette, bois, le feu, montant à la montagne pour aller offrir à Dieu. Alléluia. L'unique fils regarde son père, il dit, mais papa, tout ce qu'il y a de la ngomba qu'on offrir, mais ton offrir est nini. Abraham répond à son fils, il dit, l'Éternel hein, pourvoir. C'est à la montagne que l'Éternel va pourvoir pour toi. Mais qu'est-ce que tu vas offrir à Dieu? Est-ce que tu es prêt à offrir à Dieu ton cœur? Ton être, ce que tu es. Dieu n'a pas besoin de quoi que ce soit, mais il a besoin de toi. Quand vous le savez, nous avons toujours dit à ce lieu que Dieu habite en nous. Dieu était fatigué d'habiter dans l'arche. Fatigué. Il dit non, je dois habiter en l'homme. Et il te demande que tu lui donnes ton corps. Que tu lui donnes de la place. C'est ce qu'il te demande ce soir. Parce que, en dehors de toi-même, il n'y a rien d'autre que tu peux donner à Dieu. Rien. Abraham allait à la montagne avec beaucoup d'assurance. Il avait confiance à Dieu. Son fils lui pose la question, il dit, non, Kuna,
Nzambe akosala. Amen. Dis à ton frère, lelo ngai bandika ka lelo. Amen. Ce n'est pas demain, moi c'est aujourd'hui. Pour demain, ça sera peut-être nabalon kumi sana kanza pour ce bienfait. Le problème, il faut avoir confiance. Il faut avoir la foi. Et Abraham avait la foi. Et ils arrivent. Je me dis certainement, Abraham, quand bien même il était là avec son couteau pour tuer, mais comme il avait confiance à Dieu, il savait que non, Nzambe a opé sa même. Alléluia. Abraham n'avait pas encore vu. Il avait confiance, mais toi, tu as déjà vu. Tu as vu Jésus-Christ sur la croix. Il est mort à ta place. Il a pris ta souffrance. Il a pris ta malédiction. Comment tu ne peux pas croire? Alléluia. Abraham n'avait pas vu. Il montait avec son fils. Il allait pour offrir le fils. Le fils lui demande, il dit, oui, l'Éternel pourvoira. Mais oyo, Nzambe a tchaki à côté pour sacrifice. C'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi tu peux être prêt à donner ton cœur à Dieu. Parce que tu sais qu'il y a Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Il est là. Il est là. Il attend seulement que toi, tu dis, Seigneur, me voici, fais de moi ce que tu voudras. Et Christ va prendre le reste. Et Christ va se manifester. Tu as tenté, tu as essayé pendant longtemps, seul. Tu as fait des efforts et des efforts. Peut-être aussi tu allais à l'église chaque jour, tu gênais, tu cherches, tu cherches, tu cherches. Or, tu ne savais pas que Christ était déjà là. Renouvelle ton alliance avec Dieu. Nous devons être créés à un certain niveau d'excellence qualitative où personne ne peut nous égaler. Amen. Vous savez, tel que nous avons été créés avant, Dieu voulait que nous soyons comme lui, il voulait. Mais le diable, dans sa ruse, il nous a trompés. Mais il oubliait que Dieu était multiforme et que Dieu, à chaque instant, peut changer. Amen. Si le vent entre ici, on ne voit pas le vent, mais on sent les effets du vent. Amen. Et Dieu veut que toi et moi, nous puissions rentrer dans son plan originel. Que nous soyons les prémices de la nouvelle naissance de beaucoup de gens. Alléluia. Nous devons jouir déjà ici-bas d'une nouveauté de vie avant goût de la gloire future. Amen. Parce que c'est anormal. C'est anormal. C'est vrai que je ne vous dis pas qu'il n'y aura pas de souffrance. Il n'y aura pas de guerre. Il n'y aura pas. Non, il y en aura, mais tu sortiras toujours vainqueur.
Mais yo, osera toujours vainqueur. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui règne en toi. Réalise maintenant ce que Dieu est, ce qu'il te dit ce soir. Il veut tout simplement que tu lui donnes ton cœur. Il veut tout simplement que tu lui donnes ton cœur. Et le reste, lui-même va faire. Parce qu'il a dit lui-même, il se ment debout pour toi. Il se ment debout pour te racheter. Nous pouvons nous lever. Thank you.
puissance du Saint-Esprit. Que le feu du Saint-Esprit juge maintenant ces corps. Que le feu du Saint-Esprit juge mon Dieu aime. Il m'aime comme il a aimé Jésus-Christ. Oui, mon Dieu m'aime. Il m'aime comme il a aimé Jésus-Christ. Mon Dieu aime. Jésus-Christ. Oui, mon Dieu m'aime.
Il m'aime comme il a aimé Jésus-Christ. Je m'énonce maintenant au nom de Jésus. Les esprits méchants, mon Dieu aime. Il m'aime comme il a aimé Jésus-Christ. Oh, même amour, même esprit. Oh, même paix, même paix. Moi et Jésus, mon Dieu aime, mon Dieu m'aime, il m'aime comme il a aimé. Jésus, mon Dieu m'aime, je crois qu'il m'aime, mon Dieu m'aime comme il a aimé. Mon Dieu exauce, exauce.